Quand le succès arrivera, beaucoup plus, donnons des conseils pour la suite. Bonjour, c'est Belrix. Sur cette prophétie, j'espère pour toi, je te dis, alors je te souhaite la bienvenue déjà, et c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu. Je suis Belrix, entrepreneur investisseur. D'ici il y a quelque temps, j'étais comme toi, peut-être salarié, ou je débutais mon activité, et puis j'ai longtemps galéré. Et j'aspirais à mieux, une meilleure vie. Quand j'étais salarié, j'aspirais à une meilleure vie. Je voulais plus de liberté. Et ce que j'ai fait à travers mes investissements locatifs et à travers mes différents business. Donc si tu veux savoir plus, n'hésite pas à découvrir la présentation qui se trouve dans la description. Et puis, t'inscrire dans mes cursus, celui qui de ton choix, ce qui te plaît le plus. Il y a pour tous les goûts, l'investissement locatif, l'indépendance financière. Il y a même un cursus spécial, j'ai en auto-école, un cursus spécial pour les libéraux. Voilà. Voilà. Donc, un truc que je te souhaite, c'est que le succès arrive. Et tu vois, quand il arrivera, et genre c'est quelque chose, tout le monde va de vouloir te donner des conseils pour la suite. Oh oui, il faut embaucher ça. Je te conseille d'aller là. Je te conseille de faire ça. Oh, je t'avais parlé des personnes toxiques. Et quand on te donne des conseils, il faut regarder le niveau d'expertise de la personne qui te donne le conseil sur le sujet donné. Mais toi, quand tu auras du succès, toi, un truc qui va fonctionner et tout le monde va s'émerveiller et sera content pour toi. La plupart des gens qui te disent ça, te donnent des conseils, c'est parce qu'ils veulent ton bien. Mais il faudra se poser la question. Il faudra avoir ce sang-froid. Parce que c'est pas parce qu'une idée paraît bonne qu'elle est bonne. Tu vois, quand tu galères, peu de personnes osent te donner des conseils. Alors je te parle pas des gens toxiques, comme j'avais dit, qui ont toujours tout fait, qui ont. Non. Mais des gens, quand tu galères, quand tu vois pas, tu te poses des questions, ils ont peur de te donner des conseils parce qu'ils ne veulent pas empirer la situation. Ils veulent pas signer ton arrêt de mort. Ils veulent pas que tu puisses leur dire oui, tu m'avais dit ça, ben j'ai crevé encore plus, blablabla. Non. Par contre, quand le succès arrive. Tout le monde, tu es dans la vague, tout le monde veut être dans la vague du succès. Et tout le monde a cette idée pour la suite. Et fais gaffe, parce que c'est parce qu'une solution est bonne pour un tel qu'elle est nécessairement bonne pour toi. Surtout quand on parle de développement d'entreprise. Peut-être que toi, tu veux rester en travaillant seul. On a parlé de ces idées-là. Alors, qui dit travailler seul ne dit pas limiter volontairement. Ça, c'était le sujet de l'émission précédente. Et si tu l'as pas écouté, n'hésite pas à l'écouter. C'est pas parce que tu veux travailler, tu veux continuer à travailler seul que tu dois te dire je limite mon activité. Mais de temps en temps, il faut regarder ce qu'on te conseille, les deux conseils qu'on te donne. Est-ce que si je suis ce conseil-là, parce que c'est ça, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas fait ça pour. Que là, tu n'as pas fait ça que pour l'argent, excuse-moi. Tu as fait ça aussi pour gagner la liberté. Est-ce que ce conseil va entraver ma liberté? Est-ce que ce conseil va me permettre de justement d'être plus heureux? Et ça, c'est arrivé. Il y a des gens, en embauchant leur premier, deuxième employé, ils ne pouvaient pas plus se permettre de partir en vacances aussi souvent que prévu. Ils devaient donner le bon exemple. Bref, ils étaient inquiets. Et c'est ça qu'il faut réfléchir. Quand le succès arrive, beaucoup vont te dire ce qu'il faut faire. Beaucoup vont te suggérer des idées. Beaucoup vont te dire, ouais, il faut faire ça, il faut embaucher, il faut passer par un tel. Est-ce que tu as testé l'appui Facebook? Est-ce qu'il faut que tu augmentes? Mais est-ce que ça te convient? Est-ce que ton activité va, en appliquant ce conseil, va continuer à te plaire. C'est ça la question. C'est la question. C'est pour ça que, voilà, que la dernière fois, je disais, ouais, je limite pas parce que j'ai besoin de communiquer. C'est pas parce que j'ai assez d'argent. C'est pas parce. Non, je limite la création de sites internet parce que je n'ai pas vocation. C'est pas ça qui me fait le plus rêver à créer des sites internet. Mais on m'a donné un don. Ce serait horrible, et ce serait un sacrilège de ne pas m'en servir. C'est-à-dire que un truc que je trouve hyper simple, j'ai la sensation que je peux aider, franchement, certaines personnes à gagner leur vie, à faire connaître leur activité grâce à un site internet. Donc, pourquoi
je ferai l'égoïste en me consacrant pas, allez, quelques fractions de mon temps à aider ces personnes-là. C'est pour ça que je le fais. Mais c'est pas ce qui me plaît. Et pourquoi je le limite? C'est parce que, justement, je veux pas que ça me fasse tellement, ça me saoule tellement. Je veux le faire avec plaisir. Je veux le faire avec bienveillance. Je veux pas que ça devienne un boulot. Je veux pas que ça devienne quelque chose qui me fasse chier et que je le fais pour gagner de l'argent. Parce que ça serait le pire de tout. Donc je le fais avec plaisir. Et pour le faire avec plaisir, pour aimer ce que je fais, il faut que je limite. Il faut que je limite. Donc je ne prends que 2 ou 3 par mois. Parce que c'est la limite. Je préfère faire cette activité, partager ce moment avec toi, quotidien, chaque jour ouvré. Comme ça, je te fais part de mes réflexions, je te fais part de mes délires de temps en temps. Mais au moins, voilà, ça ne me rapporte pas grand-chose, ça ne me rapporte rien d'ailleurs. Mais au moins, voilà, j'ai l'impression de vivre. Ça me permet de sortir, de réfléchir, ça me permet de transmettre, de me permet. Alors, je te vois pas, mais je sais que de temps en temps, parmi mes délires, parmi mes réflexions, il y a un truc que qui va faire tilt dans ta tête et tu diras, ouais, effectivement, là, peut-être que 90% du temps, là, il délire, mais là, il y a un truc, c'est pas si con. Et ça, juste pour ces 10%-là, juste pour ces 10%-là, je me dis, waouh, ça, c'est ce que j'aime. Alors oui, justement, si tu me suis et que tu veux faire un site internet et que tu galères pour créer, et c'est ça, tu galères pour faire connaître ton activité ou tu veux faire grossir ton activité. Pour moi, j'ai réalisé que je n'avais pas le droit de refuser comme je le faisais avant, des gens qui me demandaient mon aide. Est-ce que tu fais un site internet? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu veux faire mon site internet? Je dis non, je refuse, ça ne m'intéresse pas, je veux pas. Effectivement, pourquoi je refuse? Alors je te dois une explication. Pourquoi je refuse? Parce que j'ai commencé à créer des sites internet en 97. 1997. J'ai connu le début de l'informatique. Enfin, l'informatique, oui. À l'époque, j'étais l'un des seuls à savoir faire un site internet. D'ailleurs, mon professeur d'informatique, parce que j'avais pris une option informatique au lycée, en première, bah, il m'avait appelé pour que je l'aide à faire son site internet. À l'époque, bon, j'avais appris la HTML, ensuite, c'était le HTML3, enfin, j'ai commencé. Ensuite, j'utilisais FrontPage, pour ceux qui se connaissent. Enfin, j'ai fait des. Ça fait combien de temps? Ça fait. Alors, 97, 2007, ça fait 10 ans. 2007, 2017, ça fait 20 ans. Ça fait 21 ans que je fais des sites internet. Puis Softim, c'est pour créer des sites internet. J'exploite des dizaines de sites internet. Donc effectivement, j'en ai dégusté, je sais ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, comment attirer des gens sur le site internet. Donc c'est pour ça que j'avais fait une émission où je te parlais des agences digitales qui font du beau, qui te vendent du rêve, tout ça. Mais voilà. Et mais ce serait horrible de refuser aux gens qui en ont besoin parce que monsieur préfère faire du podcast ou préfère faire de l'immobilier. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et c'est pour ça, peut-être que ça a mal été compris dans la mission précédente, mais je te dis, voilà, je limite volontairement. C'est parce que, justement, et je vais faire une émission dessus, quand il faut toujours te demander, parce qu'on me dit, ouais, mais si ça marche, si c'est ce que les gens veulent, pourquoi tu le fais pas en permanence? Pourquoi je le fais pas en permanence? Parce que il faut que je prenne du plaisir quand je fais un truc. Je ne suis pas un salarié lambda. Et quand le succès arrive, et quand les gens te disent oui, mais ça fonctionne si bien, pourquoi tu ne délègues pas, tu n'agrandis pas ton usine, oui, j'aurais pu le faire. Mais je ne veux pas me transformer en agence digitale, je ne veux pas me transformer en quelqu'un qui fait la chasse à mes managers, à mes superviseurs d'usine. Enfin, j'aurais pu le faire, peut-être que je le ferai un jour. Parce que j'aurais trouvé un défi. Je retrouve un défi, on va trouver un truc qui me plairait. Mais là, pour l'instant, ça ne me va pas. Moi, ce que je préfère, c'est trouver les 2 ou 3 personnes que je peux aider par mois, qui profitent de mon usine à web. Et puis, c'est basta, et je préfère aller sur d'autres projets. Aider, faire des formations, alimenter mon club privé. Tu vois, créer des podcasts, créer des audios, créer des contenus. Et c'est ça que je veux te dire. C'est quand les gens
quand les gens vont réaliser que voilà, purée, mais oh, ça marche pour toi, ouais, fais ça, ils vont te dire faire ça. Parce qu'ils sont. Mais il faut pas oublier. Faut pas oublier pourquoi tu fais ça. Si tu prends pas ton plaisir et ça se devient un boulot, c'est ça que je veux pas, ça devient un job. C'est ça qui m'a fait quitter mon emploi de salarié. Je t'ai raconté que je fais de l'informatique depuis le CE2. Le CE2. Maintenant, j'approche de la quarantaine. J'ai programmé mon premier programme. Je me souviens que c'était un livre de sciences que j'avais acheté. C'était mon livre de sciences. On t'apprenait le basique. Bon, c'était un cours sur le basique, mais bon, c'était basique d'ailleurs. Et je l'avais fait. Ensuite, j'ai dévoré. Je connaissais le manuel de mon CPC Amstrad 464 par cœur. Je savais développer. Au CM1, CM2, je savais développer. Je faisais des petits jeux. Donc, je maîtrise. Et pourquoi j'ai abandonné? Parce que la fibre entrepreneuriale a pris le dessus sur la passion d'informatique. Pourquoi j'ai quitté? Parce que j'avais accompli. Pour moi, j'étais arrivé au sommet de ma carrière. C'est-à-dire que j'avais fait un projet de A à Z. Un projet qui faisait, c'était une refonte de tout le système informatique de mon domaine, de ma responsabilité. J'avais tout refondu. Et je ne voulais pas passer mon temps à faire des corrections, à faire de la maintenance, à faire des interfaces, faire passer une base de données d'un point, une donnée d'une base A à une base T, à une base B. C'est ce qu'on appelle les interfaces. Ça, pour moi, alors il y a des informaticiens, c'est un hors boulot, et moi, comme je disais, mes collègues se foutaient de ma gueule, je fais du code artistique. Moi, je vois que l'informatique, c'est pour moi, c'est un art. Et du coup, vu que je peux plus m'exprimer dans mon art, ma créativité, j'ai fait de l'architecture, des systèmes d'information, j'ai choisi même, enfin, tu te rends compte, pour finir à faire que des projets basique de gestion. Non, ça me pouvait plus. Donc j'ai décidé de. Effectivement, j'ai pris ce virage-là. Et moi, je prends mon pied là en ce moment. Créer des systèmes, faire grossir des sociétés, aider des entrepreneurs comme moi à grossir leur société, leur chiffre d'affaires, à gagner beaucoup plus de clients. C'est ça qui me prend mon pied. Et je ne veux pas m'enfermer dans ce petit carcan, dans cette petite casquette, alors que j'en ai tellement. Cette petite casquette de créateur de site internet. Donc, ça peut paraître con, mais effectivement, quand on te donne un conseil, quand ça commence à fonctionner, quand tu dis ah ouais, purée, il y a des gens qui vont te dire ouais, il faut faire ça, ben réfléchis, pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça n'a pas changé? Est-ce que tu n'as pas atteint un certain équilibre? Et est-ce que, et surtout, quand tu vas te poser cette question, il faut se dire est-ce que tu ne mens pas à toi-même? Et ça, c'est ce que je me suis posé comme question, est-ce que je me mens pas à moi-même? Non, je préfère être en train d'enregistrer cette émission et te faire part de cette réflexion que d'envoyer un mail parce que un client m'a dit oui, non, mon site, ou un client m'a fait remonter que la couleur du site ne lui convenait pas, donc je demande à l'assistant de. Non, c'est bon quoi, j'ai déjà assez donné. Voilà, donc je ne sais pas si tu as compris le message. Je mettrais, alors qu'est-ce que je mettrais? Oui. Si tu as besoin de mon aide, si tu te reconnais, tu es un entrepreneur qui a ton business à 1 an, 2 ans, même 3 ans, tu dis bon, je fais que survivre, j'ai mon concurrent à côté, là, il me pourrit la vie, et j'ai besoin d'un site internet qui me ramène des clients, j'ai besoin de grossir mon activité, ben, je te mettrai le lien pour que tu puisses, qu'on puisse discuter, tu me laisses tes coordonnées pour qu'on puisse discuter de ton projet, et je passe te consacrer par téléphone 1 heure à discuter de ton projet. C'est surtout pour la discussion. Donc c'est ça qui c'est la discussion qui m'intéresse. Ensuite, effectivement, si je vois que l'usine va t'aider, ah ben je te fais une proposition. Donc voilà. Je sais pas si qu'est-ce que je pourrais te mettre. Je te mettrai aussi mon accès au club privé. Et puis d'ici là, porte-toi bien, allez, bye bye.